Coucou les filles, coucou les garçons. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'y suis ravie. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui on se retrouve dans mon environnement, on se retrouve chez moi. C'est la première vidéo que je retourne depuis que je suis rentrée de vacances, depuis que je suis rentrée du Limousin de ma famille. Donc bah écoutez, on va pas faire trop de blabla parce que je sais que mes vidéos sont toujours longues. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très en retard parce que je me fais livrer mes colis chez une collègue que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Et je suis ravie de vous présenter la Beautiful Box. Alors on est très en retard aujourd'hui parce que celle-ci, c'est la Beautiful Box de janvier. Vous avez certainement vu déjà sur ma chaîne sortie la Beautiful Box de février, celle spéciale Saint-Valentin. J'ai hésité à vous la présenter, je me suis dit pourquoi pas. Après tout, moi j'avais envie de vous la montrer même si je la reçois en retard, même si c'est la box du mois dernier. C'est pas grave, alors on y va, on découvre la Beautiful Box de janvier avec grand plaisir. Donc le packaging ce mois-ci, il était jaune et noir. Alors honnêtement, moi c'est les couleurs que j'adore. Je suis fan du jaune comme vous pouvez le savoir. Quand on ouvre la belle boîte, on tombe comme d'habitude sur la petite phrase du jour. Donc la petite phrase du jour, plutôt du mois, j'ai envie de vous dire. La petite phrase du mois, c'est « La chance ne s'attend pas, elle se provoque. Croyez en vous, en vos capacités, en votre intuition et en votre réussite. » Beautiful année 2016. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation et je trouve ça très sympathique de nous en avoir mis une. Donc la boîte se présente comme ceci, donc vous pouvez voir il y a des petits cotillons de la même couleur que le couvercle de la box, j'aime beaucoup, je trouve que le thème est très raccord. On retrouve les fameuses petites cartes que je ne regarde pas tout de suite pour ne pas me spoiler et on va attraper tout de suite le premier produit. Alors le premier produit, le voici, je vous le présente en premier et puis je regarde. Donc c'est la marque Santifolia, c'est une marque que je ne connais donc pas du tout, c'est une marque bio. C'est un anti-âge global, un soin contour des yeux à l'extrait de date. Qu'est-ce qu'on dit de ce produit? C'est un concentré actif ciblé. Le soin contour des yeux anti-âge Santifolia agit de façon localisée sur les signes de l'âge et de fatigue du contour de l'œil. Sa formule possède une synergie unique de 7 actifs. Extrait de date, huile végétale de blé noir, actif hydratant, actif tenseur, extrait de micro-organismes marins, extrait de Chlorella vulgaris, céramide de pépins de framboise, jus d'aloe vera pour une action sur la microcirculation cutanée, la synthèse de collagène et d'élastine. La peau est visiblement lissée, les cernes sont accentuées et le volume des poches est réduit. Sa texture légère ne laisse pas de film gras et la peau est instantanément retendue. Résultat, le regard est frais et pétillant, il rayonne de jeunesse. Appliquer matin et soir sur le contour des yeux en tapotant légèrement et faire pénétrer par de légers massages. Ça c'est très bien. Comme vous le savez, c'est vraiment un produit que je cherche en ce moment parce que là je fais que. Donc il se présente comme ceci, c'est un petit packaging. On est sur un format 15 ml, on est sur un petit flacon pompe. Je suis ravie d'avoir cet article, j'ai hâte de le tester, je vous en reparlerai certainement dans mes produits terminés. Qu'est-ce que la carte dit à son sujet? C'est la carte, c'est le 9 de cœur. Et en fait, ce contour de l'œil est à 22,90€. Ensuite, j'attrape un joli produit. C'est celui-ci. Le packaging me plaît énormément. Donc, on est sur un joli emballage carton. C'est une crème pour les mains. C'est la marque Senteur du Sud, c'est une crème pour les mains à l'huile d'argan biologique. Le packaging est juste magnifique, c'est un petit carton recyclé avec je ne sais pas si vous allez voir la map monde dessinée en imprimé discret derrière. J'aime vraiment beaucoup quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Très riche en acides gras essentiels et en vitamine E, l'huile d'argan est reconnue pour ses propriétés nourrissantes, revitalisantes et antiradicalisantes. Anti-radicalaire. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et je pense que ça va être un carnage. Senteur du Sud achète directement l'huile d'argan près des coopératives productrices au Maroc visant à assurer un revenu aux producteurs du pays. Parfait. Crème pour les mains enrichie en huile d'argan à 7%, en huile essentielle de citron, en extrait de miel. La crème pour les mains protège, nourrit et régénère l'épiderme. Elle préserve la jeunesse et la douceur des mains. L'huile essentielle de citron combinée à l'huile d'argan fortifie et protège les ongles, appliquée aussi souvent que nécessaire.
Et là, on nous dit 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc ça, c'est très bien. C'est le concept de la Beautiful Box, je vous en reparle pas à chaque fois. Et vraiment, le packaging est magnifique. J'espère que ça va vous faire une mise au point assez sympathique, que ce sera assez clair. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette crème pour les mains, sans même l'avoir testée. Est-ce qu'elle est ouverte? Au niveau de l'odeur, ça sent rien du tout. Ça sent ni le citron, ni quoi que ce soit. Après, bon, ben, j'ai pas tellement envie d'utiliser pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de cette crème? Donc, cette crème, c'est le roi de pique. Donc, la crème pour les mains Senteur du Sud est à 17,50€ les 100 ml. Très bien. Mais j'ai envie de vous dire, alors attendez, 17,50€. On a déjà dépassé le prix de la box avec ces deux articles. Donc, tous les articles qu'il y aura dedans en plus, ben, ce sera du plus. Voilà, j'attrape un autre produit. Donc là, on est sur un grand produit. C'est un format de 100 ml. On est sur la marque Algoan Paris. C'est un fondant démaquillant. Donc, il est extrêmement confortable et non gras. Ce lait démaquillant doit son originalité à sa texture onctueuse pour une meilleure élimination du maquillage. Appliqué en léger massage circulaire sur le visage, les yeux et le cou à l'aide d'un coton doux. Usage externe. Très très bien. On n'en a jamais trop des laits démaquillants. Cette marque, donc, du coup, je ne la connais pas. En fait, je connais quasiment jamais les marques qu'on nous présente dans les box. La carte, c'est la 4 de trèfle. Je vous montre ça vite fait. Et donc, ce fondant démaquillant pour le visage est à 17€ les 200 ml. Il est composé d'extraits d'algues laminaires qui revitalisent la peau et éliminent les toxines, d'extraits d'algues rouges et microbes bleus hydratantes et reminéralisantes. Excusez-moi, c'est vraiment très difficile aujourd'hui. Et il y a aussi de la glycérine végétale qui hydrate l'épiderme. Donc très très bien, je testerai, je vous en parlerai comme d'habitude. Ensuite, j'attrape ceci, c'est l'avant-dernier produit. Et là, on est sur une crème de karité hydramatifiante, peau mixte à grasse. C'est de la marque Karétic. Donc ça, c'est une crème pour le visage. La formule magique de l'eau florale de camomille romaine qui apaise du karité non traité qui hydrate, régule le taux de sébum et favorise la cicatrisation de la peau, de la poudre de riz qui matifie. Rituel beauté. Appliquer de fines couches matin et soir sur la peau nettoyée. Hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Bon, ben, une crème visage pour le jour, une crème de jour pour le visage, excusez-moi, c'est un tube. Un format 50 ml. Derrière, il y a marqué que ça nous fait à peu près 50 utilisations. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette crème? La crème Karétic, c'est la carte 6 de cœur. Donc, cette crème-là est à 14€ les 50 ml. Le karité, autrement appelé échi et chutelou, est un arbre sacré de 15 mètres. Bon, ben pas grand-chose, c'est une crème de visage. Je vous avouerai que là, je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, ce n'est pas du tout mon type de peau. Je n'ai pas la peau mixte à grasse, donc je pense que je ne vais pas même l'ouvrir ni même l'essayer. Je vais la garder, c'est un produit neuf et j'en ferai profiter quelqu'un. Enfin, le dernier petit produit que j'attrape et on aura terminé. Alors, est-ce que ça va vous faire une jolie mise au point? Voilà, alors on est sur un crayon. On est sur un crayon de la marque Zao, Essence of Nature. La couleur de ce crayon, ben, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est un gris. Je vais vous faire un petit swatch. Ouais, c'est presque... c'est gris anthracite noir, hein. Donc ça, ça doit être un crayon contour de l'œil. Donc le crayon Multification Zao. C'est le 3 de trèfle, c'est le crayon Multification. Multification, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, le crayon Zao Multification yeux et lèvres est parfaitement adapté aux peaux et aux yeux sensibles. Il comprend entre autres dans sa formule de l'huile de jojoba qui hydrate, de l'extrait de beurre de karité qui assouplit les tissus, de l'huile de coco qui adoucit la peau. Appliquez le crayon à la lisière des cils pour un maquillage intense. Dessinez le contour des lèvres avant l'application du rouge ou du gloss.
Alors là, clairement, je vous le dis franchement, je n'assume pas ce genre de couleur pour les rouges à lèvres. Je ne mets pas de rouge à lèvres noir, donc ce sera forcément un crayon Kohl pour les yeux pour moi. Ce crayon est à 11 €. Ben je le testerai, c'est effectivement pas énormément des produits que j'utilise, mais c'est pas grave. Le bilan de cette box, honnêtement, ben c'est ma troisième du coup, même si c'était la deuxième dans l'ordre réel de la box. Ben je suis un petit peu plus mitigée que celle de décembre et celle de février. Mitigée parce que ben, cette crème là, ben, elle me convient pas du tout, j'ai pas la peau mixte à grasse, j'ai la peau sèche, voire très sèche et sensible. Et il me semble avoir rempli un questionnaire concernant mon type de peau, donc je comprends pas pourquoi j'ai reçu ça. Une crème pour les mains, je suis super ravie, on s'en sert tout le temps, j'en ai toujours besoin, j'adore ça, le packaging est magnifique, je suis contente. Le lait démaquillant, je vous avouerai que je me démaquille pas forcément beaucoup avec des laits démaquillants. J'en ai reçu un que j'ai vraiment envie de tester, donc je suis contente sans être contente, c'est à voir. Le crayon, je ne l'utilise pas forcément, j'en mets très très peu, hein, comme vous pouvez voir, c'est rare que je me maquille le contour des yeux. J'aurais préféré un autre produit make-up. Et le soin contour de l'œil, par contre, ça c'est mon produit favori. Donc, non, je vous dis bilan mitigé, en fait, il n'y a que cette crème qui me déçoit un peu parce que du coup, elle ne correspond pas à mon type de peau. Mais au final, c'est pas grave, je trouverai bien quelqu'un à qui elle plaira et à qui elle fera plaisir. Voilà les filles, voilà les garçons, cette vidéo découverte de la Beautiful Box de janvier qui arrive forcément très tard parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est le 14 février, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à très vite et je vous tourne une vidéo dans la foulée parce que je voudrais vous parler d'un autre colis que j'ai reçu. Et celui-là, il me fait super plaisir. Allez, à tout de suite, ciao ciao !